Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler encore des écouteurs sport. On est sur notre quatrième. Voilà, on arrive sur notre top 5 bientôt avec les Huawei Freelice Pro. Alors, Huawei est connu, hein, enfin, était connu dans les smartphones, mais ils ont aussi une grosse gamme d'accessoires et ces Freelice Pro sont vraiment une énorme surprise qu'il fallait que je fasse découvrir. Exactement, je dois vous préciser, c'est un produit qui m'a été offert par Huawei lorsqu'on faisait les téléphones et tout, c'était un package et tout, puis après j'avais oublié, mais je me suis dit, il faut absolument que je vous en parle parce que c'est un peu mes écouteurs préférés. Allez, la seule vidéo servie sur un plateau. Allez, dans la boîte. Bon, dans la boîte, il y a nos écouteurs, ça c'est pas mal. On retrouvera des petits... on va le mettre ici, ouais. On retrouvera des petits coussinets comme ça, une fois que tu en auras perdu, comme moi, hein, tu seras bien content d'en retrouver. Et on retrouve un espèce de câble USB vers USB type C femelle. Et tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Bon, découvrons nos écouteurs. Bon, t'as vu, c'est pas très compliqué. Hein. Voilà. Alors, on a les écouteurs et première chose, bon, on a une télécommande. Donc là, c'est plutôt sympathique, dans lequel il y aura la batterie, tout ça, le Bluetooth. Mais quand tu déclipses ici... Voilà, t'as une connectique en USB type C. Voilà. Et tu dis comment on le recharge? Bah comme ça. Voilà, tu le mets en USB type C. Alors, ça a plusieurs intérêts. Un, ça veut dire que tu vas pouvoir le recharger directement en USB type C. Alors, comme généralement on a des prises un peu partout ou un ordinateur, tu vas pouvoir le plugger directement dessus. Mais autre avantage, si tu pars comme moi et par exemple tu n'as plus de batterie sur les écouteurs, tu vas pouvoir le plugger sur ton téléphone directement. Et ils estiment qu'avec 5 minutes de charge, tu vas pouvoir l'écouter pendant 5 heures. c'est génial. Voilà, ça, tu vois, mon téléphone, il y a toujours un peu de batterie. Hop, je plug dessus. 5 minutes, 5 heures d'écoute. C'est royal. Bon, allez, sur la télécommande, on retrouvera bouton volume plus, moins. Encore une fois, play, pause, clic deux fois, la chanson d'après, chanson d'avant. Ici, sur le côté, on a le bouton power on off ou le bouton d'appairage. Et ici, on a une petite lettre qui t'indique que l'appareil est en route ou alors qu'il se met en appairage. Tout ça. Voilà, ça donne aussi un petit peu le niveau de la batterie, mais elle te le donne dans l'oreille aussi. Bon, comme tout bon écouteur bien pensé, ils sont aimantés. Alors, c'est peut-être rien pour vous, mais quand vous mettez autour du cou, hop, au lieu que ça pendouille de chaque côté, tu mets comme ça, c'est aimanté, voilà. Ensuite, bon, allez, quand tu l'as sur l'oreille, voilà, par exemple, comme moi ici, quand tu mets sur le côté gauche, ok, ici, si tu restes appuyé longtemps dessus, tu vas basculer entre les différents modes. Soit le mode rien du tout, soit le mode aware, ça veut dire qu'en fait, le micro va prendre le son de l'extérieur et va l'ajouter à la musique, ce qui peut être bien pour une conversation ou, par exemple, si tu es dans la ville, si tu veux entendre les klaxons, des choses comme ça, ok. Et si tu restes appuyé encore une fois dessus pendant un petit moment, au moins 2 secondes, elle se met en mode réduction de bruit. Et le mode réduction de bruit fonctionne super bien. Ça veut dire que vraiment, tac, on a une suspension de bruit qui est très intéressante. Attends, je regardais vite fait sur le site, je me suis dit, est-ce qu'ils l'ont marqué? Apparemment pas trop. Bon, si on parle des haut-parleurs, on verra après en descendant un peu la fenêtre. Des haut-parleurs de 14 mm, le son, il est d'enfer. Et c'est étonnant parce qu'on n'attend pas Huawei là-dessus. On se dit, oui, alors c'est des écouteurs Huawei et tout, donc on les sait. Le son, il est super bon. On a de bonnes basses, on a vraiment un bon haut-parleur dedans. On a vraiment de bonnes basses, bien dynamiques. On a un média qui est vachement large et on monte à la limite des aigus. On a un super son dynamique. Je veux dire, il est pas équivalent au Boss que je vous testerai prochainement, mais il est de très bonne qualité. Après, c'est pas du tout le même son, mais il est vraiment bon et c'est pour moi une très très bonne surprise. Ou des fois, quand j'écoute un peu, il y a vraiment de la basse et tout. Et quand tu mets le mode réduction de bruit, c'est vraiment génial. Voilà. Donc là, il vous explique que tu restes appuyé dessus, tu vas pouvoir bloquer un peu. Ok, Hear the Voice, ok. Donc, built-in process, encore une fois, c'est de super bons écouteurs. Et Huawei a mis quelque chose de vraiment bien dedans. Ça, ça fait plaisir. 5 minutes de charge pour 5 heures, c'est pas mal. Autonomie du démon. 24 heures annoncées sans réduction de bruit et 16 heures avec en activant la réduction de bruit. Ces trucs-là, ils sont d'enfer, puisque bien évidemment, ils ont pu mettre les batteries dans les petits... dans les petites télécommandes ici, et on a une autonomie qui est démentielle. Bon, après, double tap pour switcher d'un appareil à l'autre et tout, ça, c'est pas très intéressant, mais voilà. Intuitive on-off, il parle pas du montant de réduction de bruit, mais ça fonctionne vraiment bien. La télécommande ici, qui est très complète, et le prix qui est juste d'enfer. Alors oui, ce sont mes écouteurs préférés, parce qu'ils sont tellement polyvalents. Moi, je peux les mettre dans la moto, ça veut dire que quand je mets dans le casque moto, à la fois, on m'a demandé, quand ça sort un peu trop comme ça, ça a tendance à gêner. Là, comme ils sont directement mis dans l'oreille ici, tu mets le casque par-dessus et t'as la télécommande qui est là. Et je veux dire, même si on t'appelle, bah t'as la télécommande, tu peux décrocher, après tu t'arrêtes un peu, ou alors si suite le micro soit devant le paravent, tu peux arriver à tenir une conversation. Donc ça, c'est génial. Le son, il est d'enfer. Si t'as besoin de mettre la réduction de bruit, si tu veux entendre le pot d'échappement, tu mets ouvert, si tu mets ça, tu mets la main dans le casque comme ça, tu restes appuyé dessus et bim badaboum, ça se met en réduction de bruit. Le son est d'enfer, il fonctionne super bien. L'autonomie, elle est démentielle, tu peux la recharger facilement. C'est vraiment le casque idéal. Et regardez le prix.
il est vraiment pas cher, ils sont qu'à 82,55 €, uniquement en import. Huawei le vend pas en Europe, ce qui est un peu dommage, mais voilà, vous pouvez le commander en import et tout. Alors, ils parlent de Huawei FreeLace Pro 2, mais apparemment, personne ne les a jamais vus, mais ceux-là, pour moi, vraiment, si tu veux faire du sport, ils fonctionnent super bien, ils tiennent super bien, le fait qu'ils soient un peu autour du cou. Alors, le seul point peut-être négatif, c'est vrai, quand je fais de la moto, quand c'est comme ça, là, avec le vent, le casque, il a tendance à partir derrière, mais bon, c'est pas très grave. Ils tiennent bien, ils sont aimantés, c'est mon mode love à moi, c'est vraiment les écouteurs que je préfère. Donc très bon son, très bonne tenue, très bonne autonomie, réduction de bruit, mode aware, pas cher, tout ça, voilà. C'est mon mode préféré. On parlera des Bose Quiet Control 30 dans la prochaine vidéo, et après on fera notre top 5, mais voilà. Moi, c'est vraiment ce que je vous conseille. Achetez-les, essayez-les, ou si vous les avez déjà, mettez-moi un commentaire pour dire un peu ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi. Mais pour moi, c'est vraiment le mode love. Je peux utiliser pour le sport, des fois juste pour écouter de la musique, des fois juste dans un café, aware, pas aware, réduction de bruit, pas réduction de bruit, tout. Je suis ultra convaincu, et je trouve que rapport prix sont très très bien placés, disponibles en 3 couleurs, le lien dans la description, tout ça, tu t'abonnes, t'as aimé la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, pouce en bas, t'as aimé, pas aimé la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé, aimé la vidéo, pouce en l'air, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche. Je te donne rendez-vous dans quelques jours pour le test des Bose Quiet Control QC 30 machin truc là, de chez Bose, pareil, en un train, ils sont au niveau de ceux-là, mais ils sont quand même bien plus chers, et après on fera le top 5, après on fera les montres, et après on fera, j'ai plein de trucs et tout, abonne-toi.